Salut à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière. C'est le troisième épisode d'aujourd'hui. Petit résumé donc du deuxième épisode. On avait commencé à Nesty, la première semaine. J'ai fait face à Idoletemi et j'avais remporté ce match. Voilà. Donc pour commencer ce troisième épisode, on va aller dans amélioration pour augmenter mes stats en overall. Voilà, attribut. Alors, on va mettre les techniques. Beaucoup de comptes quand même. Voilà. Ensuite, l'endurance, ouais. Et également emprise, puissance et technique. Voilà, on fait accepter. Voilà. On fait retour. Technique. Alors, on va payer ça. Voilà. Technicien. On va mettre d'abord. En fait, pour pouvoir accéder au niveau 3, faut d'abord acheter niveau 1, niveau 2. Donc, hop, niveau 2, 900. Voilà. Ensuite, on va payer le niveau 3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais avoir, par exemple, qui serait intéressant? Bah, la révolte. Oui. Ensuite, niveau 2. Et enfin, niveau 3. On va acheter un nouvel emplacement. On va faire tomber enchaîné. Ensuite, tomber enchaîné niveau 2. Et enfin, tomber niveau 3. On va acheter ça. Alors, j'aimerais avoir Usurpateur, niveau 2, voilà, et enfin niveau 3, voilà. Et j'accepte. Aptitude. Ah, c'est très très cher. Ok. Retour, c'est le fameux comeback. Revanche. Oui, non. Travers la table, non, pas pour le moment. Pour avoir second finisher, il faut avoir 4500. Enchaînement de coups, 4500. Déchaîné, pareil. Ok, bon, hop. Alors. Mais bon, on va aller directement pour la suite de la carrière. C'est parti. Donc, nous voici en backstage. Comme lors de chaque semaine dans le carrière, on commence toujours par le backstage. Donc cet épisode, il va durer environ 45 à 50 minutes environ, je pense. Une heure, ça ferait trop. Voilà. Comme du coup pour les entrées, vu que de toute façon YouTube. Et déjà de base, quand on enregistre une vidéo sur la PS4, ça n'enregistre pas les theme songs, donc du coup, je vais passer les entrées, ça sert à rien que je vous laisse regarder les entrées. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais il me semble que non, parce qu'à Nesty, il me semble qu'il y a personne. Ouais, voilà, il y a personne. On va directement parler à Baron Blade, à l'espace de production, pour savoir ce qu'on va faire cette semaine. Un match, une promo ou autre. Un match contre l'un de nos meilleurs gars, ça te dit? Ne réponds pas, vas-y, montre-leur à tout ce que tu as à ta place sur la ligne. Sinon c'est mort pour toi, c'est sur la ligne que tout se passe, t'as rien si t'as pas ça dans le sang. Montre-leur ce que t'as dans les tripes. Ah, cette semaine j'affronte Cassie Sono. On va voir ce que ça va donner, hein. D'ailleurs, vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir, sur mon maillot, j'ai le logo de la Wishing Evo. Je vous invite à nous rejoindre sur le site, sur le forum, pour participer à l'UDR Online, avec d'ailleurs une petite nouveauté cette semaine, depuis cette semaine. On peut incarner maintenant des women.
Et ça y est, le match commence. And we're C'est underway. toujours 3 contre 1, Looking at Marek these two vient de men, I don't monter, think there's going mais to be stats en anything compte. traditional about this one-on-one matchup. Oh man, this is going to be great. Judging from the Qu'est-ce qui se crowd passe? response, things are about to pick up, guys. I love a good plot twist. Oh boy! Bobby Roode. Uh-oh, he's in trouble Est-ce qu'il here. va intervenir? Oh, il est derrière moi, le salaud! Oh, le salaud! J'ai pas pu contrer! Oh, le salaud! J'y crois pas, quoi. Le mec, il m'a attaqué, quoi. Il a mis son finisher. Ouais, ça peut arriver parfois. Ouch, ça pique. Je te crois, oui. C'est pas le champion en titre pour rien, hein. Grosse leçon pour toi. Si t'es pas le meilleur de ta... Si t'es pas au meilleur de ta forme tous les soirs, tu ne l'auras pas. Sectionnez votre réponse. J'aurais eu Cassius sans ça, Bobby va aller au tapis. Essaye d'éviter que ça arrive. J'aurais Cassius sans ça, ouais. Sans cette instruction, j'aurais eu Cassius. Ouais. Je suis sérieux? Bon, oublie au sein. Tu avances, on avance. T'as pigé? J'ai pigé. Ouais. Bon, garde ça dans un coin de ta tête. Donc je suppose que là, c'est déjà la fin de ce show, là, de cette semaine. Je vais devoir retourner à backstage. Que je parle à tout le monde parce que manqué ils vont rien me dire apparaître, on t'a attaqué, etc. Machin. Ido Itami. Allez. On va parler au gardien. Allez, vas-y, ramène-moi ma voiture, toi. Ouais, j'ai fini pour aujourd'hui. Tu peux aller chercher ma voiture, merci. Et nous voici en novembre 2018, semaine 3 à NXT. Donc du coup on va encore une nouvelle fois parler à Brown Blade, hein. C'est un peu le rituel chaque semaine. D'abord parler à Brown Blade, voir ensuite pour une promo, et enfin ou bien un match, ou Triple H, The Game. On va lui parler. Ok, je vais te confier un secret, mais le répète à personne, j'ai deux mots à te dire, casse-toi. Oh lui est. T'as de la chance que je suis pas dans le main roster, hein, je t'aurais botté les fesses. Non mais lui. D'ailleurs, par contre, avant d'aller dans le main roster, j'ai d'abord botté les fesses de Bobby Roode, le champion ici. On va parler au Bramblin. Alors la forme, une semaine avant NXT Takeover. Tu dois avoir hâte, c'est ta dernière chance de te mettre l'univers WWE dans ta poche. Gâche pas ton passage à la TV, d'accord? Quoi que tu fasses, fais le bien. D'accord. Bien, alors en route. Ah, je crois que je dois faire une promo, je suis pas sûr, mais je crois. Ah non, allez voir la liste des matchs. Alors, un match contre Roderick Strong. Promo clôture du show. Auto-promotion. Un match normal, Bobby Roode versus Yoga. Ah, ça serait une intervention en fait. On va faire une promo, tiens. Hop. C'était marqué 100 points avec cette promo. Bah écoute, on va essayer de relever le challenge, le défi. Something told me we might hear from him. Et voilà, je vais sur la ligne pour faire ma première promo à NXT. J'ai fait une promo test au Performance Center, j'ai plutôt bien réussi. On va voir ce que ça va donner là, du coup. En tout cas, heureusement que je vous passe les chargements, etc. parce qu'ils sont très très longs. Donc, Alors, mes fans disent que je peux facilement le battre. J'ai peur des prouesses. Présentant pour moi de 20 Bobby. Hop. D'après des sources sociales, mes fans, je peux facilement battre Bobby Roode. Ça ne me surprend pas. C'est une superstar vraiment médiocre. Je veux dire sérieusement, un homme, un adulte. Enfin, il faut peut-être vérifier qu'il se fait encore appeler Bobby. C'est un peu pitoyable, Bob. Je ne peux pas décevoir mes supporters. C'est à moi.
J'aurais le cœur brisé si je décevais un jour mes supporters. Ça signifie que je vais devoir me donner à fond contre Bobby. Chaque fois que je frapperai sa tête de mes poings, ça sera pour mes fans. Chaque fois que je l'écraserai sur le ring, ça sera pour mes fans. Cet assaut est ma seule façon d'être à la hauteur de leurs attentes. Je risquerai mon arrivée à NXT. C'est une de mes nombreuses étapes. Je prends les ondes positives. Je vais prendre toutes les ondes positives qu'il me donne et m'en servir de carburant pour le battre. Et pendant le match, je renverrai toute cette affection et plaisanterie en plus. Notre force combinée va être énorme. Ce sera comme deux planètes qui se rencontrent. Et nous savons qui est la plus grosse. J'aimerais proposer quelqu'un d'autre qui aura une chance. Vous ne connaissez pas mes limites. C'est ma façon de dire merci. C'est la meilleure façon que j'ai de dire merci lorsque je suis sur le ring. Je divertis tous ceux qui me regardent. Je sens cette énergie et ça me pousse à faire de mon mieux. C'est normal que je rentre cette affection. Il n'y a pas assez de temps pendant un match pour exprimer avec des mots. Alors j'utilise mon corps pour le dire aussi clairement que possible. Je ne souhaite tomber personne. Si je fais ça, ce sera un mode cauchemar. On devrait probablement le laisser tranquille. Je ne laisserai tomber personne. Je peux faire une promesse. Je ne laisserai pas tomber. Je ne laisserai tomber personne pour avoir une chance de vaincre Bobby. Je sais que je devrais faire le maximum. J'ai une capacité unique que je devrais devoir exploiter et surmonter. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas difficile et j'aurai besoin du soutien de tout le monde pour cela. Et voilà, fin de promo. Et en plus, la barre, elle est complète. Je pense que j'ai amplement réussi la promo. Et la foule m'encourage. Alors, voici l'écran des résultats de promo indique les points apportés à chaque étape de la promo. Chaque fois que le ton et le sujet de votre intervention précédente sont respectés, votre score remonte. Pour obtenir une promo parfaite, vous devez conserver le même ton et le sujet durant toutes les étapes de la promo. Alors, yoga, performance de promo. Premier, 20, deuxième, 40, troisième, 60, quatrième, 80, cinquième, 100. Total, 300. Je crois que c'est réussi, hein. Impeccable. Et je repars en backstage. Après cette promo, phénoménale. Voilà, mais sache que le champion n'a pas pu rater. Je veux qu'il sache que j'arrive, il doit paraître champion. Je pense aux fans. C'est pour les fans, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Les fans te supportent toutes tes grâces. Attention, ils sont capricieux. En tout cas, ta place, je serai tendu. Là, il t'a remarqué. Alors fais gaffe, la foudre peut frapper deux fois au même endroit. T'inquiète. Et là, hop, on retourne voir le gardien. Et ce sera donc du coup la fin de la semaine 3. Début de la semaine 4 à NXT. Alors, Baron Blade, comme d'habitude. Donc je t'y pêche, mais je vais pas lui parler parce que sinon il va me dire casse-toi. Et bah se quitte, Triple H. Alors, Baron Blade. Une semaine de fou, hein. À toi de voir comment tu vas répondre à ce qui vient de se passer. Matt, la liste des matchs, dis-moi ce que t'en penses. Ok. Alors. Ma promo, ouverture du show, non, j'en ai déjà fait une la semaine dernière. Un match contre Bobby Roode, une intervention Bobby Roode contre Cassius Ohno. Bah écoute, je vais lui retourner l'appareil. Il a interviewé dans mon match face à Cassius Ohno, je vais faire la même chose pour lui. Remporter cette intervention d'avant-match.
Et voici le champion d'NXT, Bobby Roode. Glorious. Je peux pas passer l'entrée. Donc soit c'est une intervention pendant son entrée ou pendant le match, je ne sais pas, on va voir. Elle est vraiment pas mal son entrée, j'aime bien. Dans le jeu, ils l'ont vraiment bien faite quoi. Avec la foule qui fait réagir. Glorious. Ah bah voilà, intervenir. Allez, je vais intervenir. Ah ouais, c'est ça, Brian Garcia, vas-y, avance là. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça ton titre, il est pas mal, hein. Tiens, dans ta face, tiens. Tiens. Tiens, voilà. Allez, come on. Je vais te faire le finisher. Dans ta face. Looking for the win. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. Et voilà. Here's his chance. Things just went from bad to worse for Bobby Roode. Pas mal, ouais, pas mal ce soir. Je crois que l'univers WWE a hâte de voir ce que tu prépares. Ton match pour le titre NXT, tes covers et ces trash que tu montres, je crois qu'ils ont compris. Les fans vont péter à plomb quand ils nous verront ensemble. On n'a jamais rien vu de pareil à NXT. Je sais pas, ils ont les mémoires. Ils en ont vu des trucs excitants. Ça va être spécial, c'est l'impression que ça me donne. D'accord, utilise cette impression à ton avantage alors. Quelle que soit ta raison, mets le paquet. Voilà le plus important pour moi. T'inquiète. Ça va être un dream match ce match, un 5 étoiles. Et je serai le nouveau NXT Champion. Allez hop, on va parler au gardien et on va quitter l'arène. Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, pay-per-view mensuel. Donc du coup, le pay-per-view mensuel, c'est bien sûr NXT Takeover. Par contre, je ne sais pas où exactement. On va parler à Baron Blade pour le match, du coup. Qui lui? Tankman, comment ça va? Tu décroches ce titre, je suis le premier à te citer. Bah écoute, merci. Hein. On l'a fait jusqu'ici, prêt à aller plus loin, t'as atterri, prêt au match pour le titre. Mets-toi en rogne, ou ce que tu veux, comment tu te sens. Excité. Excité d'être arrivé jusqu'ici, c'est pour de vrai là. Voilà, c'est ça, régale, régale-les avec cet état d'esprit. Foire cette occasion et c'est pas moi qui te crierai dessus, ce serait trop facile. C'est toi qui te crierai dessus, jusqu'à péter un câble, alors évite de tout foirer. Compris, ne pas péter à plomb. Voilà, évite. T'as vu ce que le titre NXT a donné pour Finn? Kevin Owens Nakamura, hein? Gagne-le et tu pourras en faire autant. Je suis né pour ça. Ah ouais, carrément. Mais bon, si ça te chance, bref, te rate pas. Emporter le NXT Championship sans discussion ni décompte, obtenir une note de 3 étoiles. Bah écoute. On va emporter le titre et en plus, ça va être un match de au moins 3 étoiles, pas de problème. Et voilà l'affiche pour le NXT Championship à NXT Takeover. Yoga contre le champion Bobby Roode. Et voilà, le match commence. Donc pour rappel, il faut avoir minimum un match de 3 étoiles. And he knows a thing or two about competing in big time matches like this, which you'd have to think gives him the advantage going in. Descend du coude,
Pour le moment, Bobby Roode est dominé. Nice elbow drop there. Et il contre, il revient dans le match. Et hop, je recontre à nouveau moi aussi. Hop, remonter les cordes. Oh, je me suis fait le. Ah, ça va. Pas mal, Chris, pas mal, ça envoie. Allez, viens, toi. Et hop là. Provocation. Je vais te battre, mon gars. Il est à moi, ton type. Oula. Oui, contre-majeur. Hop là. C'est beau, Silisco. Par contre, du coup, j'ai plus de contre. Mais bon. Je vais le mettre dans le mal, quand même. Mais il est le champion pour une raison. Il va prendre un whole heck of a lot more to stop him here tonight. Yeah, he's taking on some offense here, but that's to be expected. Especially considering who he's in the ring. Je vais se faire tenter une corde, attention. But he has to do everything in his power not to let this get out of hand. Hop là. Oh, je me suis raté, j'ai pas assez de. Great idea by him. Too bad it was j'ai pas assez d'agilité. Enfin, pas vraiment d'agilité, mais. De distance en, en overall. Ah, il revient. The challenger's taking on some offense. À mon tour. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. This one could very easily go either way at this point. Ah, il m'a contré. Win or lose, he's the type of guy that will be proud of his performance. Ah, il provoque, il provoque. Ah, il m'attaque dans le coin. Et l'arbitre, l'arbitre là-haut. Faut faire quelque chose. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que j'achète Évasion là, c'est très bien parce que ça va être compliqué. Ah, il va se faire tenter une corde. Allez, allez, Yoga. Et c'est le contre. Voilà, PK, tiens, dans ta face, tiens. Non, mais oh. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux rien faire du tout. Et hop là, elbow. Hits him with the uppercut. And there's the counter. Quick thinking to avoid non, that non. One. Hop là. Je le projette dans le coin. Hop. He's really taking over this match now. Close name. Suivi du bulldog. Bon, pour réussir mon saut, je vais bien mettre à côté des corps. Putain, je crois que je vais me rater, il est trop loin. Vas-y, c'est mort. He's not looking good here, Byron. No, he's gotta get up, and he's gotta get up now. No, reverses it. Et hop là, petite série de contre. There was a little something extra behind that chop. Hop. This is the title match we've all been waiting for, guys, and so far it's delivered the goods. Ouh, ça fait mal. Et qui passe par-dessus la troisième corde. Putain, j'aime bien cette prise là, elle est standard. Allez hop, on va attaquer un peu en dehors du ring. Ah, il me coupe. He clearly did his homework heading into tonight. Eh bien. Nous sommes à 4 là avec le compte de l'arbitre. On va revenir sur le ring. I don't know, guys. I really thought we would have seen the finisher already. Near a count out here, Corey. Ah ouais, nous sommes à 3 là. If this ends in a count out, Cole. Alors. Hop. Ils sont du coup dans le coup. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Michael. Ah, il revient avec un contre. Moi aussi. Counters that one. This is what makes him one of the best in the business. Contre à nouveau.
Hop. Petit mouvement. Oh, le petit kaki. Hop. Je le relâche quand même. Ça fera un petit truc comme ça. Putain. He's still not moving, guys. He might be out, Cole. Here he goes. Spécial. Incredible. Et c'est réussi. This has to be it. This one is over. The unfortunate Tiens, je vais faire son finish. He might not get up, which wouldn't shock me one bit. Talk about a beating he's taken here parti. Tonight. Oh, and he's just mocking him now. Et voilà. He's also Tiens. Infuriating him, which might not be the best strategy. Glorious. Hop, je ne sais plus tomber. Will he be victorious? One, two, three. New champion. Et voilà. We just witnessed what many felt was impossible. Nouveau NXT champion, mon plot. Et on revoit vite fait les moments forts de ce match avec le petit paquet. Là. Et enfin, le coup spécial. Et pour finir, le fameux futur DDT, enfin le finisher de Bobby Roode, avec le tombé enchaîné. Et voilà, célébration. Victoire de mon pro. Et voilà. Donc ça fait un match de 3 étoiles et 2000, c'est largement assez, hein, suite à ce qu'on avait demandé. Et voilà, début du règne à NXT. Joli. Sérieux? C'est tout? Super cool. Te force pas trop. Pourquoi tu te plains? Tu as réussi, t'es un champion dans l'âme. Les fans crient tous mon nom. C'est incroyable. Vers la fin, les fans crient tous mon nom. C'est bien. Mets-toi le public et les fans dans la poche. On verra pour la suite. Passe voir Matt avant de partir. Je voulais te parler d'un truc. À bientôt. Bah écoute, on va aller voir Matt Bloom. Qui est le pseudonyme donc du coup de Albert. En tant que catcheur. Alors il veut quoi lui? Eh hey, fiston, t'as mis tout le monde sur le cul. J'ai toujours su que tu en étais capable. Tu vois, c'est ce que je voulais. Je peux t'assurer que là, ce soir, les portes du succès te sont grandes ouvertes. Continue d'enchaîner des matchs de cette qualité. Fais les bons choix, mais tout ce KO, je peux oublier qu'avec. Tu pourrais être bien la tête d'affiche de WrestleMania un jour. Tous en rêvant. Tous en rêve, tu sais. Et tu pourrais bien y arriver. Maintenant qu'ils m'ont vu sur Ling, j'ai vraiment l'impression d'être entré en scène. Certains moments cristallisent, après un moment, tout devient secondaire et ça c'est le principal. Mais c'est énorme, c'est clair. Bon, je dois y aller. Bien joué fiston, t'as tout pété, je suis fier de toi. Bah, merci, merci. Maître. Allez, on va quitter l'arène. On va finir ça comme ça avec pour cet épisode numéro 3. Prêt à partir? Ouais. Eh bien écoutez, du coup moi on va se laisser là du coup. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Salut à tous!